Aujourd'hui, on va interpréter un cliché qui est un peu compliqué. Bon, on va commencer l'interprétation. C'est un téléthorax de face, pris chez un homme d'assez bonne qualité. On a parlé dans une vidéo précédente des critères de qualité. Bon, ici, l'image pathologique radiologique est une opacité dense, homogène, qui est bilatérale. À gauche, comblant le cul-de-sac costaud diaphragmatique, et à droite, occupant le quart inférieur de l'hémithorax droit, effaçant le cul-de-sac. À limite interne oblique, externe pariétale qui se plaque à la paroi, surmontée d'une opacité peu dense, homogène, siégeant dans la moitié inférieure du champ pulmonaire droit, à limite supérieure floue. On observe aussi une autre lésion qui n'est pas vraiment visible. C'est la présence d'une opacité dense homogène occupant le tiers supérieur du médiastin, avec attraction de la trachée à droite. Pour ce cliché, on a plusieurs éventualités. La première éventualité, elle peut être un épanchement liquidien bilatéral de prédominance à droite avec enkystement plus un goitre plongeant. La deuxième éventualité, pleuropneumonie plus un goitre plongeant. Vous pouvez commenter par le diagnostic qui vous semble le plus proche.